Assalamu alaikum, Fatem Zahra Toureqi, je suis enseignante à l'INSAD Safi. Je suis aujourd'hui ravie de faire partie de la journée d'information sur les programmes d'immigration. C'était très intéressant, dans le sens où c'était vraiment très détaillé. Ils ont bien explicité les deux programmes d'immigration, que ce soit l'immigration pour un travail temporaire ou bien pour une immigration à résidence permanente. Le débat aussi était très riche, donc ils ont répondu à nos questions et j'ai pu avoir une bonne idée sur les différentes démarches à entreprendre. Voilà. Assalamu alaikum, ismi Idil Yatim, technicien construction métallique. Nous sommes à l'événement du Québec, lequel nous avons fait un suivi. Un événement qui m'a fait un choix de la ville. غالبا كنشوفو في مدن بحال الرباط بحال مراكش ومزيان بالنسبه للساكنه ديال المدينه انها تستافد من هذا ليفينمون اللي جا قريب. بالنسبه لهذا ليفينمون استفدنا انه شي حويجات اللي تقدر تفيدنا من هنا لقدام لبغينا نمشيو نهاجروا لكندا ونستافدوا من لي زيتود ولي تيكسبيريونس ديال لي طرافاي في كندا. Sarah Kahouajan, responsable de communication et culturelle de l'Alliance française de Safi. L'Alliance française de Safi a pour mission de promouvoir la communication et la culture française. Et notre événement, les Journées du Québec à Safi, incarne parfaitement dans cette mission, offrant une plateforme unique où la richesse de la francophonie se mêle aux opportunités éducatives et professionnelles. L'événement prend la forme des séances d'information visant à fournir des informations détaillées et pertinentes pour les personnes souhaitant poursuivre leur étude ou travailler au Québec. La signature entre notre Alliance française de Safi et le ministère d'immigration d'Afrique au Québec est une étape importante envers notre engagement pour la diversité culturelle et les liens académiques. Nous sommes impatients de partager cette aventure avec vous.